Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Raze. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel rapide. Donc, on va apprendre à créer un thème Google Chrome. Mais d'abord, je vais m'expliquer sur la petite inactivité de 2 semaines qu'il y a eu. Donc, comme vous le savez et comme vous l'avez certainement vu, j'ai repris les cours. Le rythme n'est pas le même que celui des vacances, donc au niveau des vidéos je ne peux pas trop en réaliser, et cette semaine là j'étais malade, donc je pouvais pas trop faire de vidéos non plus à cause de ma voix. D'ailleurs je suis toujours malade, donc voilà. Donc on va créer un thème pour Google Chrome. Donc ce qui est indispensable, c'est qu'il faut que vous ayez My Chrome Theme. Donc vous allez sur Google Chrome, vous tapez My Chrome Theme. Donc d'abord vous faites commencer, et là ils vont vous demander une image pour l'arrière-plan, donc c'est à dire quand vous ouvrez un nouvel onglet. D'ailleurs vous pouvez remarquer qu'ils ont fait une mise à jour qui est bien dégueulasse, parce qu'on voit plus du coup le truc derrière. Donc du coup vous faites un nouveau document de 1920 par 1080 avec une résolution de 72, couleur RGB 8 bits, contenu de l'arrière-plan transparent. Ok, donc après vous faites un fond hein, comme vous le sentez. Là je vais vous faire un truc rapide, très simple. On va faire ça avec des cercles, donc voilà, donc vous choisissez vos couleurs hein. Tac. Voilà. Après vous faites comme vous le sentez. Après ça peut être très bien un fond d'écran que vous avez déjà fait, comme celui que j'ai en fond d'écran d'ailleurs, comme celui-là. Ou après vous pouvez. Après ça c'est comme vous voulez. Hein. Moi je vous montre juste l'astuce. Donc là je vais faire juste ça rapidement. On va mettre peut-être 2 tons de bleu, un bleu un peu plus clair. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait un truc vraiment à l'arrache hein, mais quand je vous dis vraiment à l'arrache, c'est que ça m'a pris 30 secondes. Donc ensuite vous enregistrez donc en PNG pour que ça ait une meilleure qualité. Vous l'appelez comme vous voulez, vous marquez tuto. Voilà, vous enregistrez le PSD au cas où vous voulez réaliser des modifications. Excusez-moi. Donc ensuite vous revenez sur votre application de Google Chrome, vous faites importer une image, vous mettez votre image, voilà. Donc normalement si vous faites la taille que je vous ai dit, il ne devrait pas y avoir de redimension à faire. Ensuite vous cliquez sur passer à l'étape 2. Là vous donnez un nom à votre thème. Donc moi je vais l'appeler tuto. Mais d'abord il faut ajouter de la couleur. Donc d'abord vous cliquez sur en fait vous cliquez là, étape 2, enfin si vous avez oublié de le faire, et là vous faites les couleurs que vous voulez, par exemple du bleu comme ça va avec le fond comme ça, et là la barre principale en ouais gris comme ça, voilà. Ensuite vous faites passer à l'étape 3, vous lui donnez un nom, vous faites créer mon thème. Et là vous faites installer. Et donc ça va vous installer votre thème. Tout simplement, comme j'ai réalisé celui-là. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À liker et partager cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Je remercie d'avance la CFT Tutoriel pour l'upload, si il m'upload. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Peace out.